Je te dis, c'est pas évident. Parfois, je suis pas très contente. Mais je mets pour l'instant toutes les images. Et après, quelques images, peut-être, je vais détruire. Hein. Processus d'installation. Ça peut devenir autre chose, tu vois. Comment ? Regarde. Oui. Ça devient tout à fait... D'accord. Tu vois, comme un chemin. Oui. Voilà. Tu sais, c'est pas évident de remplir tout l'espace. Et du monde, c'est bon. Oui, je m'aperçus. Bon, on pense que c'est pas beaucoup d'images qu'on peut mettre. Et finalement, c'est beaucoup. Vous pouvez rentrer. Thank you.
facilement. D'abord, c'est l'histoire du roi des dieux, bien sûr, ça correspond bien à son thématique de... cette œuvre. C'est une œuvre ironique, hein, c'est ça ce qui est aussi dans les gestes, dans les yeux, dans les regards ici. Il y a une sorte d'ironie aussi, parce que c'est l'œuvre ironique, non? Qu'est-ce qu'on pense, moi? C'est depuis 6h du matin, alors? Oui, depuis 6h du matin, 6h11 exactement, parce que j'ai mis dans le calendrier de l'aube au crépuscule. Donc aujourd'hui, le 17 juillet, l'aube c'était 6h11. Arriver jusqu'au bout parce que déjà je vois pas des sujets, tous les sujets sont déjà élaborés. Mais à mon avis, ça va finir quand je vais répéter les gestes. Restaurer l'installation. C'est des plans que je peux pas avoir, c'est bien. Et puis ça m'entraîne aussi de... Là, tu te mets en... T'es acteur aussi, là. Oui. Ça m'entraîne de travailler devant le caméra. C'est vraiment... Moi, je suis vraiment fatigué. J'ai beaucoup l'envie de dire les mots, mais... Déjà, c'était
la concentration aussi de travail. Tu te souviens bien, toi, ouais. quand tu avais fait. C'était dur. Oui, c'était dur parce que même bon, à quelques moments. Oh, je vois déjà que. Je suis plus capable de produire. Je vois pas. Tu sens. Oui. Là, tu sens une. Oui. Enfin, une fatigue, déjà, il y a quelque chose qui. Mais tu peux t'arrêter de toute façon. Oui, mais c'est 5 minutes. C'est pour ça que hein, je m'arrête souvent. Tu arrêtes, c'est bon oui, aussi. Je m'arrête souvent, oui. Tu vois. Parce que tu cherches pas la répétition. Voilà. Non, mais déjà, puisque j'avais fait les noirs, déjà, les silhouettes, j'avais fait. Donc, il me reste. Donc, c'était le principal, faire le travail. Le travail des gestes en noir et blanc. Après, les couleurs, c'est tout simplement les recherches d'une harmonie. Et si, bon, si c'est pas harmonique, bon, après, c'est pas la peine, on laisse. Par contre, c'est pas je considère pas ça comme le travail d'esquisse, hein, c'est pas des esquisses. Tout simplement, s'il y a quelque chose qui me plaît pas, après, je le jette et tout, c'est tout. Ça n'existe plus. Bonjour. 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 Oui, après, hein, donc ça c'est l'espace Ubu. Sur le roi Ubu, les images que j'ai construites aujourd'hui à partir du matin.
Mais là, par exemple, il y a quelques répétitions, là, les trois. Ah oui. Selon les silhouettes. Mais c'est normal, parce que le geste, quand on fait le geste, on répète aussi souvent les gestes. Donc, puisque l'installation et le thème, c'est les gestes de Roy Bu, donc c'est normal qu'il y ait des répétitions. Mais là, exactement, même quatre, là, je vois la répétition presque identique. Mais c'est ça, c'est-à-dire que le travail est fini. Hein, on ne peut plus continuer, s'il y a des répétitions, on ne peut plus continuer dans cette façon-là. Ah oui. Donc c'est-à-dire que le thème s'achève. Est achevé. Oui, oui, oui. On peut plus... Et là, tu commences à avoir des répétitions. C'est ça, dans les quatre, même si c'est dans les plusieurs périodes que j'ai dessiné, mais s'il y a déjà quelque chose que, à mon avis, il faut pas continuer. Bon, ça, il me reste encore une dizaine, comme ça. Et peut-être il suffit d'arrêter un peu, non? Comme tu veux, oui. Puis reprendre. Oui. Mais déjà, tu vois, dans les noirs, c'est pas répétitif. C'est assez intéressant de regarder là. Tu vois, c'est pas de répétitif, il y a quelques. c'est rigolo ça, David. Voilà, mais bon, ça c'est. Je vais colorer un petit peu. Bon, il t'en reste combien là? Beaucoup? Bah, il me reste une dizaine. Ah, puis c'est fini après? Oui, mais après, si je. Donc peut-être je vais trouver telle ou telle image qui sont les plus significatives. Et je vais faire la couverture. Hein, la couverture, ah oui. pour le livre. Parce que là, finalement, ça va entrer dans le livre. Et le livre doit avoir une couverture. C'est pas le livre au sens direct, c'est portfolio. C'est un peu portfolio. Donc ça va être un livre avec des pages. Pas ça. Bonjour. Donc il m'a donné 11 textes, oui. Que j'ai interprétés avec une photographie, oui. En interprétant le rythme des mots, oui. Voilà. Et ça c'est, puisqu'il s'agit des chambres nuptiales, donc ça va être difficile d'y entrer. Hein, D'accord, on va découvrir petit à petit. Voilà. Et, d'accord. Et l'idée que, avec les interventions plastiques, c'est la lumière qui entre dans la poésie. Si la chambre était dans la poésie, il peut arriver la chambre, le ciel, donc. Et la lumière avec les rayons, d'accord, entre dans les fenêtres. D'accord, oui, c'est le processus d'entrée dans les textes.
Tout est fait pour entrer dans le texte à la manière. Petit à petit, de façon. Voilà. D'accord. Exactement ce que je veux, c'est dans cette démarche de présenter le texte et de guider en quelque sorte dans le texte. Cette collection Laboratoire du Libertisme, que j'ai fondée il y a 2 ans. Qui a inventé le mot merdre. Donc, moi j'ai mis remerdre numéro 1. Donc, et c'était le, ça c'était le premier de ta c'était performance. Le premier dessin. Oui, c'était le premier dessin. Ça c'est le premier dessin. Et sur ce premier dessin, j'avais fait pas mal d'esquisses au début. Et pour tous les autres dessins, je faisais pas les esquisses. Donc c'était direct. Ça c'était le plus dur parce que c'était le premier. C'est le premier pour trouver. Et après, de ce premier, est parti les esquisses. Voilà. Il n'y avait plus d'esquisses. Ça, c'est avec des esquisses. Il y avait pas mal d'esquisses sur ce sujet-là. Ah oui. Et avec la formule. Donc la formule, ah oui. Remerdre, numéro 1. Ça, on peut dire que c'est le premier. Oui. Et après... Et ça, c'est été, aujourd'hui, c'est le dernier. C'est le dernier. Comme une finale. De quelque c'est le chose. Dernier, donc il n'y a plus de couleurs. Il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de couleurs. Hein? Il n'y a plus de forme, presque. Il y a pas, donc il y a quelques formes, mais c'est très très petit. Donc c'est un peu... Voilà. C'est quand même intéressant d'avoir ce parcours. Oui, c'est vrai. Quand j'ai pensé qu'il me reste seulement une vingtaine de dessins que je dois faire encore. Et à ce moment-là, c'était le plus dur. Hein, parce que je ne pouvais pas remplir l'espace comme je voulais, à cette vitesse que je voulais. Et quand j'ai fini, quand j'ai achevé, quand j'ai fait l'espace, j'ai rempli l'espace, tout de suite c'était une sorte de vide en moi. C'était vide, c'est même une distance. Moi ça ne m'intéresse plus ça. Il peut être... Voilà, il n'a plus de sens. Après il n'a plus de sens. Et même, je te dis, quand j'ai fait ce dernier, quand j'ai collé ce dernier dessin, là, ça, j'ai perdu tout l'intérêt sur ce sujet. Ça ne m'intéresse plus, tu vois, c'était ça. Ça a duré combien de temps, alors? 7 heures? Non, mais ça s'est duré... Non, ça s'est duré 12 heures. 12 heures. 12 heures de travail. 12 heures de travail. Mais par contre, j'ai préparé quelques détails avant. Oui, tu avais réfléchi à ton concept. Des schémas. Quelques schémas en noir. Oui, tu avais déjà pensé quelques images. Même les esquisses de ce premier dessin, j'avais fait il y a 2 jours. Et c'était fait il y a 2 jours. Hein, donc, c'est-à-dire que j'ai travaillé un petit peu le sujet avant. J'ai fait quelques formes pour moi. Les schémas en noir, seulement en noir et blanc, quelques schémas, et puis les couleurs, et les gestes, déjà, ça c'est déjà... Mais dans cette, si on peut le dire, chorégraphie... Oui, c'est chorégraphie de la main. Cette chorégraphie de la main, est-ce qu'on pourrait dire, on a vu le premier dessin et le dernier, est-ce qu'il y en aurait un qui serait le centre? Le centre de l'énergie. Je ne peux pas te dire... Tu peux pas en déterminer un encore. Mais j'ai choisi un dessin... que j'ai pas mis sur le mur, que j'ai mis à côté, qui, à mon avis, représente le caractère du personnage et le caractère du travail aussi. Mais par contre, c'est le dessin qui n'est pas le centre aussi. Il est un peu provocatrice par rapport à tous les autres, parce qu'il est plus statique, et le personnage est plus méchant que dans les autres dessins. Il correspond plutôt à ce titre que j'ai donné, Sale Ubu. Sale Ubu. Parce que Ubu, c'est un personnage qui est méchant, qui n'est pas rigolo comme un... Là, on voit une sorte de l'humour. Oui, là. Oui, oui. C'est l'humour plutôt, pas de personnage, mais de Alfred Jarry. L'humour de l'œuvre en général. Mais le personnage lui-même... Il est très dur, hein. Il n'est pas... Avais toujours en tête le personnage dans le... ou tu l'oubliais? C'est ça ce qui m'intéressait. Est-ce qu'il disparaissait des fois?
où il était toujours là et tu lui donnais une histoire à chaque fois. J'ai donné mon propre histoire ouais. à ce personnage. C'est à pour ce ça personnage. Que ça s'appelle les gestes du roi Ubu. Ah, donc, du geste. Moi, j'ai imaginé ce personnage dans certains... je ne sais pas, dans plusieurs sens. Et... J'ai imaginé ce personnage qui donne quelques gestes qui sont les gestes parfois violents, parfois sarcastiques, tu vois. Donc il y a quelque chose dans son esprit qui m'intéressait. Donc ça m'intéressait d'analyser le personnage comme le caractère, comme les phénomènes aussi, parce que ça représente le personnage qui représente totalitarisme dans le pouvoir. C'est quelqu'un qui a tuer ses généraux, toute sa garde, pour avoir le pouvoir, etc. Donc c'est tout ce motif qui pour moi n'est pas politique là, dans ce travail, c'est pas le travail politique, mais c'est le travail concernant ce caractère qui... Voilà, le caractère du personnage. Ça qui m'intéressait, le caractère et ses traits, ses gestes. Et ce que Alfred Jarry, il a appelé après, comme une sorte de mouvement, parapsychique. Paraphysique. Donc le mouvement paraphysique. C'est la construction de l'espace, parce que le livre aussi, c'est l'espace. Et l'importance ici, c'est le livre ouvert à 100%, c'est le livre qui construit l'espace. L'espace du livre, en quelque sorte, c'est une chambre du livre qui représente en même temps le livre. Et c'est ça ce qui est important pour ça, parce que pour entrer dans le livre, il faut faire un effort. Ici, tu ne fais pas un effort, tu entres, donc tu vois tout le livre en ensemble. Tu ne dois pas feuilleter, parce que le livre, tu fais le travail du feuilletage, tu tournes les pages. Tu vois chaque page différemment, chaque page séparément, tandis qu'ici tu vois tout. Oui. L'idée du plafond, ça m'intriguait beaucoup dans plusieurs facettes, parce que c'est aussi il faut remplir l'espace. Moi j'ai pensé, est-ce qu'on peut remplir aussi tout le meuble? Au début j'avais fait, j'ai fait le lycée, le matin, mais après je me suis dit non, c'est pas ça, c'est l'idée de l'espace, la chambre. Oui, ça entre dans l'espace de la chambre. J'ai remarqué, il y a les gens qui ont passé aujourd'hui, qui ont presque allongé ici, qui ont regardé tout ça, en disant, voilà, ça c'est comme dans mon enfance, quand j'ai regardé le plafond et j'ai vu quelques silhouettes dans mon esprit, ça me rappelle cette image de l'enfance qui est très chaleureuse. Mais tu vois, tu as bien vu, il y a eu tout à l'heure une personne qui a dit, je vois un escargot. Et je vois des lunettes là. Ah, mais c'est vrai, il y a des lunettes, oui, c'est vrai, parce que... Bon, c'est toujours en quelque sorte... Quand on fait l'image, en tout cas, c'est on dessine soi-même aussi. On fait pas vraiment l'autoportrait, mais on donne son signe, en quelque sorte, les signes. Donc les lunettes, oui, pourquoi pas, donc on peut toujours... Les yeux, les lunettes, on peut le voir. Et une autre personne a dit, ou cette personne même, elle a dit, il y a... Un alphabet. Oui, un alphabet. Une écriture. Les signes étaient une écriture pour elle. L'écriture ici, c'est l'écriture des couleurs aussi. Parce que c'est ça ce qu'on a perdu dans la civilisation. On a perdu ce langage des couleurs, des formes, qui et quand même, il existe. C'est-à-dire que l'alphabet des couleurs, l'alphabet des signes, ça c'est très important, bien sûr. Ça, c'est intéressant. Hein, fait un petit mouvement linéaire, parce que le livre, il est quand même linéaire, donc la lecture il est quand même linéaire. C'est aussi intéressant et important pour le livre. Donc si ce sont les pages, c'est peut-être le mouvement linéaire. Voilà. Tu vois, c'est intéressant. Je voulais monter aussi ce dessin-là, parce que l'été avant-dernier, et là, il y a encore la forme, il y a une forme, mais il n'y a plus de couleur. Il n'y a plus de couleur. Parce que là, à quelques moments, je me suis dit, comment je vais finir ça? Ah oui, d'accord. Et je me suis dit, donc, je retire d'abord les couleurs,
et après je retire la forme. Et c'était pour ça que ça c'est devenu le dernier. Le dernier, presque il n'y a pas de forme. Il y a très peu de forme. C'est un seul trait qui représente le mouvement et aussi le geste de ce personnage. C'est déjà mon interprétation. Donc c'est mon monde. C'est pas le monde d'Alfred Jarry. C'est pas le monde de finalement. C'est pas le monde du personnage qui est Ubu, roi Ubu. C'est mon monde, mais c'est mon interprétation. D'accord. Et c'est pour ça, ce ne sont pas les illustrations du tout. Parce que ça, c'est autre démarche. Il y a quelques sonorités, oui. Je ne fais pas exprès. Dans le côté des rythmes, oui. De gestes comme ça qui enregistrent les couleurs et les lignes, les formes, les points, etc. Il y a peut-être ce côté de la musique, mais qui est très caché. Hein, donc c'est possible. Mais je n'ai pas fait exprès d'abord, oui. Et je n'avais pas la musique dans ma tête quand j'avais fait ça. Donc je n'avais pas de mélodie, je n'avais rien. C'était pas dans le côté de l'interprétation de la musique, c'est pas ça. Voilà. Ah, merci. Vous avez toute cette... Oui. Oui. Donc vous avez toute cette collection du Levardo, le plus vu du musée du livre, donc ça c'est absolument nouveau. Et ça c'est les livres minuscules. Vous pouvez cliquer dans votre... Oui, oui. Ça c'est les règles de jeu d'échecs. Les règles de jeu d'échecs. C'est mignon. Donc ça, c'est plutôt les livres que j'avais fait à l'époque, c'est plus les plus anciens. Et ça c'est les livres peints, les réquisitions, c'est un seul exemplaire, la collection des livres du musée du livre, et aussi la collection, ça c'est la collection que j'expose plutôt sur la vitrine aussi, l'exposition du laboratoire du livre d'artiste. Vous pouvez voir aussi, il y a plusieurs choses. Vous pouvez faire ici. Il y a déjà 6, non, 9 volumes différents que j'ai fait. Oui, j'ai pas celui de l'autre. Ah, il faut le voir même. Donc, voilà, je présente les livres qui étaient avant, c'était l'installation sur les murs, tous les dessins, 134 dessins. Mais après, j'ai retiré plusieurs dessins, je les ai séparés pour faire le livre. Et dans la boîte, donc il y a le cahier, donc j'ai mis dans la boîte le texte d'Alfred Jarry sur Ubu, le texte intégral, la pièce, et les dessins qui sont dans le cahier. Que j'ai retiré des murs. Bon, et selon l'idée, chaque livre, parce qu'il y a 12 exemplaires, donc les boîtes, chaque livre devient, après la composition du livre, aussi une petite performance, une installation, parce que on peut ouvrir la boîte, on peut retirer le texte, et on peut placer les images sur les murs, mais il y a seulement 12. Donc, et ça donne une continuité de performance, mais déjà dans le cadre d'un seul livre. Et la série des dessins ont été rangés par... comment ça a été rangé? C'était rangé... C'est quoi qui a décidé quel dessin serait ensemble? C'était rangé par le principe d'une sorte de répétition. Parce que quand on travaille sur le même sujet, on ne peut pas éviter la répétition de composition des images. Et donc moi je regardais quand c'était sur les murs, les dessins ont été placés sur les murs, je regardais, j'ai choisi, dont il y avait quelques ressemblances entre les images.
Et j'ai choisi par rapport à ça. Voilà. Pour, Oui, non, mais c'est bien. Je vais même mettre la voix sur le mur. Ce sont les graphiques. Donc chaque fois.